Non, je crois qu'elles servent absolument pas à lutter contre la hausse du chômage. Les privatisations, elles répondent simplement à un double objectif, je dirais. Satisfaire les desiderata des amis du gouvernement et permettre d'engranger des profits pour une minorité. Et en contrepartie, par contre, elles desservent celles et ceux qui travaillent dans ces entreprises, puisqu'on constate une dégradation des conditions de travail, une hausse des prix pour les usagers et une baisse de la sécurité, par exemple à la SNCF. Et on voit que partout où ça a été ouvert à la concurrence, notamment dans le rail, les gouvernements reviennent en arrière, et même en Angleterre, qu'on ne peut pas taxer d'être le pays le plus à gauche, des maires, notamment de Liverpool et de Manchester, demandent la renationalisation du réseau nord de l'Angleterre. Donc voilà aujourd'hui la réalité. La France va à rebours de ce qui se fait ailleurs.